gars, donc je vous retrouve assez tard. Il est, je pense, 13h30. On est le 29, si je me trompe pas. Donc, comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas dormi chez moi, j'ai dormi chez ma pote Rosunta après notre petite soirée. Donc, je sais pas si vous avez compris pour ceux qui ont vu le vlog d'hier, mais en fait, on a un pote qui déménage, donc Tom, celui qui parlait à la fin, et il part à Lille. Donc, c'était un peu une soirée d'adieu, même si on va se revoir. Et donc. Là, je suis vraiment fatiguée, surtout que j'ai une autre soirée ce soir. Et là, c'est Rosmita qui dormira chez moi. Et bon, pour l'instant, je suis en train de monter le vlog d'hier. J'ai une petite tisane fraîche aux frais rouges. Et bon, je sais pas si le vlog d'aujourd'hui sera très rempli. Je vais quand même essayer de vlogger un peu, voilà, pour donner du contenu. Mais voilà, c'est un petit vlog de repos. Vous allez vous reposer avec moi. Prenez une tisane. Un chocolat chaud et faites la sieste avec moi. Coucou, donc là il est vraiment assez tard quand même. Il est 16h01. Pour l'instant en fait j'ai rangé ma chambre. Oui, j'ai rangé ma chambre. C'est pas parfait mais c'est déjà bien. Et puis j'ai fini un montage donc du vlog, je l'ai mis en ligne. Après je me suis dit que j'allais vous parler d'un petit sujet, donc je vais vous en aller tout de suite. En fait les gars, déjà je me montre sans maquillage, voilà, j'assume un peu ma tête, enfin j'assume plus ou moins ma tête sans maquillage. J'ai pas dormi beaucoup de la nuit, je suis super fatiguée. On va enlever ça parce que là, mis comme ça, on dirait que j'ai froid au cou. Alors il fait super chaud. Voilà, j'ai pas très bien dormi, donc c'est pour ça que ma tête est... pas passable du tout, mais voilà, assumez vos têtes, c'est pas grave. Dans tous les cas, un jour quelqu'un vous verra bien sans maquillage. Vaut mieux assumer plutôt tôt que jamais. J'ai transformé l'expression. Donc je me suis dit en fait que j'allais juste vous parler aujourd'hui, vu que c'est un petit vlog et tout, de mon année future, de ce que je fais l'année prochaine. Pour ceux qui savent pas, donc là j'ai fait une seconde générale. Très clairement, tout me destinait à aller en S. Dans le sens où mes potes allaient en S, je savais, mon lycée est hyper scientifique, enfin hyper scientifique. Il y a deux classes de ES, une classe de L et 8 classes de S en première et en terminale, un truc comme ça. Ou 6 classes de S, 6 classes de S. Enfin bref, c'est énorme. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais dans ce lycée pour aller en S et voilà. Sauf que cette année, je me suis vraiment rendu compte que... déjà de 1, les maths je ne détestais, enfin non, les maths encore ça passait, mais j'avais un prof très clairement que je portais pas forcément dans le cœur. C'est pas que je l'aimais pas, c'est juste qu'il faisait rien pour nous faire aimer les maths, on va dire. Après voilà, c'est pas de sa faute, mais bref, ça m'a pas donné envie d'aimer les maths, alors qu'en 3ème j'aimais beaucoup ça et j'avais des très bonnes notes. Et c'est pas une question de niveau, parce qu'en 3ème il y avait des fois je comprenais pas, c'était juste une question que ma prof, je trouvais qu'elle nous aidait vraiment, enfin bref. Et en physique chimie, pareil, j'ai vraiment détesté la physique chimie, je n'ai rien réussi, j'ai galéré. Voilà, j'avais vraiment des notes pourries, j'avais des 2, des 3 sur 20, et j'arrivais à rattraper en faisant des DM où je me faisais aider par mes potes, donc bon, voilà. Et c'est pas de faute d'avoir essayé, parce que très clairement, j'ai vraiment essayé de bosser. Ensuite le français, j'ai vraiment tellement aimé le français cette année, voilà, sauf que je voulais pas aller en L parce que ça me fermait beaucoup trop de portes et voilà, et j'ai fait une sorte de découverte, en gros c'est les SES, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment tous les projets qu'on faisait en SES, tous les trucs comme ça, et je me suis dit bah pourquoi pas aller en ES. Je sais pas si dans les autres lycées c'est ça, mais moi j'ai l'impression que ES est beaucoup moins bien considéré que S. Je trouve ça assez débile parce que je pense juste que c'est extrêmement différent. Et donc je me suis dit que j'allais aller au-delà des a priori et pas suivre le choix de mes potes non plus. Dans le sens où je préfère faire un truc qui me plaît moi plutôt que aller dans une classe avec mes potes et pas me plaire pendant 2 ans. Donc voilà, je vais en ES où je connais pratiquement personne. Je reste dans le même lycée, aucun problème. Et autre truc, je vais en audiovisuel. Voilà, oh, je suis tellement contente parce qu'en gros, l'année dernière, j'avais demandé audiovisuel. Je m'étais renseignée, j'avais demandé au principal de mon lycée si audiovisuel c'était compatible avec Euro.
Mais il dit oui, bien sûr, pas de problème et tout. J'étais quand même allée à la réunion juste pour ça. Donc j'ai demandé deux fois. Enfin, c'était la mère d'une pote qui avait demandé, mais c'est vrai, on s'en fiche. Et je m'étais vraiment démenée pour l'euro parce que, en particulier parce que mes profs étaient persuadés que j'allais pas l'avoir. Ils me disaient ouais, l'euro au lycée que tu vas, c'est impossible à l'avoir, patati patata. T'as trouvé une note pas assez bonne. J'avais quand même 16-17 de moyenne, donc bon. T'as pas des notes assez bonnes, voilà, mon prof d'euro il me saquait en euro, il me saquait vraiment, il me mettait 6 sur 20 et tout, alors qu'il y en avait plein dans la classe qui étaient bilingues, donc évidemment moi à côté j'étais au fond de la classe, j'étais je comprends rien, déjà je comprenais pas quand il expliquait en français, alors en anglais, voilà, et au final j'ai eu l'euro, voilà, donc voilà, j'ai eu l'euro sans problème, donc voilà, battez-vous pour ce que vous voulez. Sauf qu'au final, le jour où je suis, donc où j'ai voulu m'inscrire à mon lycée, je commence à remplir la fiche, donc je vois admis 1 euro et tout, et je commence à vouloir cocher audiovisuel. Et là, on me dit, enfin, je vois que c'est écrit pas compatible avec l'euro. Donc là, je sais plus si c'est ma mère ou quoi qui a appelé le lycée, enfin, je sais plus, il y a une histoire. Et il dit non, il y a peut-être une erreur, je me suis peut-être trompée en vous disant, mais je crois pas, en tout cas. C'est pas compatible, tout le monde le sait et tout, donc ouais, bien sûr, tout le monde le sait. Tu nous l'avais pas dit, mon coco. Ça m'a vachement énervée parce que j'avais tellement envie de faire ça, faire cette option. Après, bon, je commence en première parce qu'en première, c'est une option, en gros, le mercredi après-midi, donc t'as... c'est pas vraiment dans ton emploi du temps. Enfin, t'es obligé d'y aller, mais c'est pas comme en seconde où ça fait partie vraiment de tes cours, ça remplace certains cours et tout. Donc je suis super contente, je vais apprendre à faire des trucs trop cool, vraiment. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Si vous voulez savoir à peu près ce que j'aimerais faire plus tard et tout, bah n'hésitez pas à me demander, je vous raconterai ça un autre jour. Sinon je vais continuer ma journée, mais là il fait tellement chaud, vraiment tellement chaud. Apparemment il va y avoir un orage et j'espère parce que j'ai beaucoup trop chaud. Donc là je suis prête. Je sais pas trop si je vais filmer parce qu'il y a Rosinda, il y a Julien et tout, donc eux ça me dérange pas. Mais après les autres gens, enfin je les connais beaucoup moins donc ça va être plus gênant, vous voyez. Mais je vous filmerai sûrement un petit truc avec Rosinda parce qu'elle dort à la maison. Donc voilà, en attendant, bah je vous dis bye.